bosser sur YouTube, avoir plein d'abonnés de ce que c'est et tout et tout. Alors regardez bien cette vidéo. Du style, du glam, du fun et surtout des conseils pratiques, c'est les tutos de Nadège. Hey, coucou. Ah, à la fin de la vidéo, j'ai une question très importante pour vous, surtout si vous avez une chaîne YouTube. Ah, je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto très spécial. Ah, allez, on commence, premier conseil. Si vous voulez faire des vidéos réussies sur YouTube, commencez toujours par dire que c'est une vidéo spéciale. Ceci dit, cette vidéo est vraiment très spéciale. Puisque aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces et tous mes secrets pour être un bon YouTuber avec plein de succès. Oui. Enfin, pour être un bon YouTuber ou une YouTubeuse. Tant. Alors évidemment, ces conseils s'appliquent à tout le monde, sauf à deux cas particuliers. Premier cas, bah, si vous êtes les premiers à être sur YouTube, donc si peu rigueillesse, que vous voyez enfin, tous les gens qui étaient là en premier, pas besoin d'avoir ce conseil. Hein. Le fait que vous étiez les premiers, bah, ça suffit. Et deuxièmement, eh bien, les gens qui sont connus parce qu'ils ont un ami youtubeur connu, bah, ça s'applique pas à vous non plus, lui, parce que vous avez utilisé un joker, puisque vous avez utilisé bah, un abonné connu pour créer votre chaîne et avoir des abonnés, donc ça compte pas pour vous. Là. Par contre, pour tous ceux qui ont vraiment de la passion, qui veulent travailler et qui veulent progresser sur YouTube, eh bien, ces conseils sont faits pour vous. Oh, j'ai failli me tromper, j'ai failli faire comme ça. Oh, je sais pas ce que j'ai, je suis excitée aujourd'hui. Et je trouve que je suis bien placée pour vous donner ces conseils, puisque j'ai plus de 178 400 abonnés et plus de 28 400 000 vues totalisées sur ma chaîne YouTube. Oh, merci. Mais avant tout, cette vidéo s'adresse à mes petits palmiers, alors mettez tout de suite plein de petits pouces bleus et dites-moi dans les commentaires hashtag team palmier si vous faites partie de la team palmier. Un premier conseil. Personnalité. Alors ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, bah, savoir parler face à une caméra, être à l'aise, avoir du répondant et tout et tout. Mais en plus, avoir une personnalité physique. Moi je trouve que mon palmier est vraiment unique sur YouTube. Bah mes bijoux, tout ça, j'ai créé un look Nadège Cornedol. Il y a que moi qui sais faire ça. Et bah aussi ma manière de parler. Vous êtes souvent à me dire oh, j'adore comment tu parles et tout et tout. Donc merci. Voilà, j'ai reçu des messages. Qu'est-ce que c'est? Je travaille! Et en plus de tout ça, il faut de l'énergie. De l'énergie, c'est très important, puisque bah, il faut être dynamique, il faut pas laisser de temps mort. Parce que si vous laissez des temps morts aujourd'hui, les gens ils font je m'ennuie, clic, et ils partent. Là, 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 il faut pas m'arrêter. Donc voilà, de la personnalité, du physique, un look, et quelque chose qui vous différencie des autres, quoi. Ça sert à rien de copier tel ou tel youtubeur qui est déjà connu. Il est déjà là, ça sert à rien. Et puis, vous avez tous quelque chose d'unique, alors apportez-le au monde. Oh, un deuxième conseil. Quand vous commencez à être un youtubeur un petit peu célèbre et connu et réussi, eh bien, il y a pas mal de marques qui vont vous solliciter pour que vous puissiez présenter bah, leurs produits dans vos vidéos ou sur vos réseaux sociaux. Et bah donc c'est très important de savoir présenter les produits. Alors tout de suite, démonstration. Je remercie Winning Moves parce qu'ils m'ont envoyé ce super jeu qui s'appelle Match. Alors vous connaissez peut-être le match normal, mais Winning Moves ils font plein de jeux de société qui sont bah, vraiment uniques et personnalisés avec plein d'univers différents. Et ici on a un match dans l'univers Super Mario. Bah, je vais vous le montrer bah, aujourd'hui pour faire la démonstration de comment présenter un produit. Tout d'abord, il faut bien faire attention à ce que la lumière ne vienne pas refléter le produit. Oui, là, on voit rien, on sait pas qu'est-ce que c'est que le produit. Alors on pense et voilà, c'est comme de la magie. Ensuite, il faut bien approcher le produit de la caméra pour que les gens voient bien en détail. Et pour ceci, il faut mettre la main derrière pour aider la caméra à faire le focus. Et surtout, il faut s'avancer en disant comme ceci. Je vous montre, il se présente comme ceci. Et comme ceci. Comme ceci. Voilà, vous vous entraînez, vous le faites 10 fois, 20 fois de suite. Et après, bah, le comme ceci n'aura plus de secret pour vous. Ensuite, il faut parler du produit. Alors ici, il s'agit d'un jeu de société Match Super Mario. Pour tous les enfants à partir de 4 ans, ça se joue à 2, c'est un peu comme puissance 4. Et bah, c'est une jolie boîte, voici la regarde. Donc on voit le jeu déplié ouvert. Il y a des cubes avec différents personnages de l'univers Mario. Ah, si vous avez des petits rototos, vous pouvez les laisser, ça va rigoler. Et après, vous nous rire. Bon bah là, il y a un plastique, donc couteau. Ah,
je vais ouvrir délicatement le pelacétique, mais aussi couteau. Et là, on peut enlever le blister en laissant les gens écouter le bruit du blister, puisque les gens adorent ça. Moment ASMR. Voilà. Alors, c'est joli. Il faut toujours complimenter le produit. Bon, là, en l'occurrence, je pense vraiment, c'est vraiment très joli. Et on va l'ouvrir tout de suite. Et voilà, ça, c'est le jeu de société. Et ensuite, il faut parler un petit peu de la règle du jeu, si c'est un jeu. J'ai ouvert comme ceci. Alors, vous avez plein de cubes comme ceci, avec sur chaque face, eh bien, un personnage. Eh bien, le but, c'est tout simplement d'aligner 5 personnages identiques, eh ben, sur une ligne diagonale, horizontale, verticale, et vous avez gagné. Sauf que ce même cube, eh ben, votre adversaire, il peut l'utiliser aussi. Comme c'est pas les mêmes cubes et les mêmes personnages, eh bien, c'est rigolo, et puis ça pimente la partie. Et en plus de ça, vous avez des petites cartes à l'effigie des personnages pour ajouter encore des règles rigolotes dans le jeu. Voilà. Et une fois que vous avez présenté le produit, eh bien, vous pouvez faire une pause langoureuse avec, eh bien, pour donner envie de l'acheter. Bah, je suis désolée, hein, même si vous savez pas chanter, vous avez qu'à faire de l'autotune et tout. Mais tous les grands youtubeurs ont fait des chansons. Siperia, il a fait une chanson. Norman, il a fait une chanson. Nateu, elle a fait une chanson. Même ce que Wizzy, il a fait des chansons. Alors bon, mais bon, la youtubeuse la plus célèbre pour ses chansons, c'est bien sûr moi. J'ai fait pouf, je ne sais plus combien de chansons. J'en ai fait plein. Certaines ont dépassé le million, voire les 2 millions de vues. Alors merci à tous mes petits palmiers. Et voici, eh bien, un petit florilège de mes chansons. Ouais. La vie sans pays de Zelda, qui aimerait ça? Moi j'aime les contrôles, car je trouve ça drôle. Non, je ne suis pas folle, j'ai pas mangé de colle. Quand vous vous baladez seul dans le noir, si vous tenez vraiment à votre vie, c'est le Slim, mon nouvel ami. Il est sublime. C'est comme ça chez nous. On parle bien, on parle fort, on parle comme sourd. Quatrième conseil. Alors ça, c'est peut-être le plus important des conseils. Je bave. C'est pas baver, hein, c'est être gentil avec ses abonnés. Puisque, évidemment, une chaîne YouTube sans abonnés, c'est quoi? Bah, c'est rien du tout. C'est une chaîne YouTube avec personne, où le YouTuber, il parle et ça fait de l'écho tellement il y a personne. Youhou. Donc je suis désolé, mais les abonnés, c'est plus important que tout. Je dis ça parce qu'il y a certains youtubeurs qui, j'ai l'impression qu'ils aiment pas leurs abonnés, ils les prennent pas en considération et tout, ils sont pas gentils avec eux. Donc il faut bien sûr lire tous les commentaires, ça je le fais. Bon, si vous avez le temps, répondez aux commentaires. Bon, alors moi je sais ces derniers temps, mais j'ai un petit peu, un petit peu du mal à répondre aux commentaires. Mais je vous promets que je vais faire des efforts pour répondre à un maximum de vos commentaires. Mais sachez que je les lis tous. Donc merci beaucoup. Et vous savez que je vous aime, vous êtes mes petits palmiers. Moi j'ai plus besoin de vous le prouver parce qu'il y a un amour entre nous qui est naturel. Cinquième conseil. Bon bah alors ça c'est un petit peu la base de la base. Puisque bah sans caméra, bah pas de vidéo. Et pas de vidéo, pas de chaîne YouTube. Mais il faut aussi de la lumière. Puis parce que si on éteint la lumière, bah, je vous montrerai en temps réel. Regardez, j'éteins la lumière. Et hein, et bah qu'est-ce qu'on voit? Et bah on voit une image toute moche. Bouh. La lumière, c'est vraiment très important. Le micro aussi. Moi j'ai mis un micro en peluche au-dessus pour avoir un son cristallin de ma voix. Voilà. Et bah écoutez, la technique du montage également avec un bon logiciel. Mais ça, vous inquiétez pas, au fur et à mesure de vos montages, vous allez apprendre sur le logiciel et tout, donc je vous fais confiance. Sixième conseil. Oui, il faut avoir un bon programme de vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir faire bah, des vidéos variées, pas seulement faire un même type de vidéos qui vont toutes se ressembler. Moi, par exemple, je fais du seul live, je fais des chansons, je fais des tutos, je fais des trucs délirants, je fais des unboxings, je fais des dégustations, je fais des recettes de cuisine. Je fais vraiment beaucoup de choses et j'adore ça. Mais la chose commune avec toutes ces vidéos, c'est le bon moment qu'on passe ensemble, le rire et la joie. Mais en plus de ça, ça veut dire aussi être programmé. Ça veut dire que moi, il y a une vidéo par semaine, tous les dimanches à 10h,
jusqu'à ce que je change la formule, mais pour l'instant c'est comme ceci. Il faut être régulier, donc il faut faire en sorte de pouvoir s'en retirer une vidéo par semaine, si vous dites une vidéo par semaine, ou une vidéo par mois, si vous dites une vidéo par mois. Il faut respecter vos engagements pour que, bah, en fait, vos abonnés sachent à quoi s'attendre, quoi, tout simplement. Septième conseil! C'est très important, c'est le dernier conseil, mais un des plus importants. Il ne faut pas vous décourager, mes petits palmeuillers, puisque tout vient d'un point qui sait attendre. Ah, j'adore les expressions. Pierre qui roule n'amasse pas la mousse. Parce que, bah, c'est à force de travail et bah, de chance aussi, pour savoir qu'il y a un facteur chance, et bien que bah, vous pourrez arriver un jour à vos objectifs. Bah, par exemple, avoir un trophée comme moi, parce que moi j'ai un trophée. N'oubliez pas que vous faites ça d'avant tout pour vous amuser, pour amuser les autres. Et il y a des moments, ça va bien marcher. Et il y a des moments, ça va moins bien marcher. Et ça va remarcher. Et ça va remarcher. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a de plus en plus de youtubeurs et de youtubeuses. C'est de plus en plus difficile de se faire une place sur YouTube. Mais si vous avez la personne, si vous suivez tous mes conseils, si vous êtes persévérant, vous allez y arriver. Je crois en vous. Bon, attention, si vous êtes trop jeune ou si vous êtes à l'école, bien sûr, la priorité, c'est pas YouTube, c'est vos études, avoir quelque chose de solide, et ensuite, peut-être, d'un côté, vous pourrez faire YouTube. Bah, d'accord, je compte sur vous. Bon, vous pouvez quand même faire des vidéos si vous avez une passion, comme le macramé ou les jeux vidéo, ah bien si. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces petits conseils vont vous plaire, vont vous servir pour votre future carrière YouTube. Bien sûr, n'oubliez pas, si vous vous lancez sur YouTube ou si vous avez déjà une chaîne, de dire que c'est grâce à Nana Scandal, et bien que vous avez gagné des abonnés, parce que je vous ai donné tous ces conseils. D'habitude, personne vous donne ces conseils-là. Je suis désolé, moi, je n'ai pas de secret entre nous, je vous donne tout, vous savez comme on est à la team Palmeuillet. Alors laissez plein de petits pouces bleus. Et dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez une chaîne YouTube. Comme ça, bah, pourquoi pas, on pourra partager bah, vos chaînes, etc. Ça va être rigolo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de Nadesh Cornodon et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo chaque dimanche à 10h. Ouais, merci. Et bisous, bisous, mes petits palmiers. Mouah, mouah, bye bye.